Du coup, j'ai choisi un poème d'actualité, je vous donnerai le titre et l'auteur plus tard, à la fin. Je commence. Excusez-moi, c'est ma voix de Nazière, c'est ça? Non. D'accord, ça marche. Oh, je suis avec vous, j'ai cette sombre joie. Ceux qu'on accable, ceux qu'on frappe et qu'on foudroie. M'attire, je me sens leur frère, je défends. Terrasser ce que j'ai combattu triomphant. Je veux, car ce qui fait la nuit, sur tous m'éclaire. Oubliez leurs injures, oubliez leur colère. Et de quel nom de haine ils m'appelaient entre eux, je n'ai plus d'ennemis quand ils sont malheureux. Mais surtout, c'est le peuple, attendons son salaire. Le peuple qui parfois devient impopulaire, c'est lui, famille triste, homme, femme, enfant. Droit à venir, travaux, douleurs que je défends. Je défends l'égaré, le faible. Et la foule, qui n'ayant jamais eu de point d'appui, s'écroule et tombe folle au fond des noirs événements. Et tant les ignorants, ils sont les incléments. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire à vous tous que c'était à vous de les conduire? Que votre aveuglement produit leur cécité? À vous tous que c'était d'abord de les conduire? Qu'il fallait leur donner leur part de la cité? Que votre aveuglement produit leur cécité? D'une tutelle avare, on recueille les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fuite. Vous ne les avez pas guidés, pris par la main, et renseignés sur l'ombre et sur le vrai chemin. Vous les avez laissés en proie au labyrinthe. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. C'est qu'ils n'ont pas senti votre fraternité. Ils errent, l'astimbon se nourrit de clarté. Ils n'ont rien dont leur âme obscure se repaisse. Ils cherchent des lueurs dans la nuit plus épaisse. Et plus morne là-haut que les branches des bois, pas un fer à tâtons, en détresse aux abois. Comment peut-il penser celui qui ne peut vivre? En tournant dans un cercle horrible, on devient ivre. La misère, âpre roue et tourdiction, c'est pourquoi j'ai pris la résolution de demander pour tous du pain et de la lumière. Ce n'est pas le canon du noir vendémiaire, ni les boulets de juin, ni les bombes de mai, qui font la haine éteinte et l'ulcère fermé. Moi, pour aider le peuple à résoudre un problème, je me penche vers lui. Commencement, je l'aime. Le reste vient après. Oui, je suis avec vous. J'ai l'obstination farouche d'être doux. Au vaincu, je dis, non pas de représailles. Ô mon vieux cœur pensif, jamais tu ne tressailles. Mieux que sur l'homme en pleurs et toujours tu vibras pour des mères ayant leurs enfants dans les bras. Quoi, lorsqu'il s'agirait de sonder, ô vainqueur, l'obscur puits social payant au fond des cœurs, d'étudier le mal, de trouver le remède, de chercher quelque part le levier d'Archimède, lorsqu'il faudrait forger la clé des temps nouveaux, après tant de combats, après tant de travaux, et tant de fiers essais, et tant d'efforts célèbres, quoi, pour résolution, faire dans les ténèbres? Nous, guides et docteurs, nous les frères aînés, naufragés un chaos d'hommes infortunés, décrétés qu'on mettra dehors, qui, le mystère, qui désormais l'énigme à l'ordre de se taire, et que le sphinx fera pénitence à genoux, quels vieillards sommes-nous, quels enfants sommes-nous, quels rêves, hommes d'État, quels songes, aux philosophes, quoi, pour que les griefs, pour que les catastrophes, les problèmes, l'angoisse, les convulsions, s'en aillent, suffit-il que nous les expulsions, rentrer chez soi, crier, français, je suis ministre. Et tout est bien, tandis qu'à l'horizon sinistre, sous des nuages lourds, hagards, couleur de sang, chargés de spectres, noirs dans les flots décroissants, avec l'enfer pour eau et la mort pour pilote, on ne sait quel radeau de la méduse flotte. Quoi ? Les destins sont clos, disparus, accomplis, avec ce que la vague emporte dans ses plis, ouvrira de battant la porte de l'abîme, y pousser au hasard l'innocence et le crime, tout le mal et le bien, confusément punis, refermer l'océan et dire « c'est fini ». Être des hommes froids qui jamais ne s'émoussent, qui n'attendrissent point leur justice et qui poussent la partialité jusqu'à tout châtier, pour le guérir, couper le membre tout entier. Quoi, pour expédient prendre la mer profonde, au lieu d'être ceux-là par qui l'ordre se fonde, jeter au gouffre en tas les faits, les questions, les deuils que nous pleurions et que nous attestions, la vérité, l'erreur, les hommes téméraires, les femmes qui suivaient leur mari ou leur frère, l'enfant qui remua follement le pavé, et faire signe au vent, et croire tout sauver, parce que sur nos maux, nos pleurs, nos inclémences, on a fait travailler ces balayeurs immenses. Eh bien, que voulez que je vous dise, moi? Vous avez tort? J'entends les cris, je vois l'effroi, l'horreur, le sang, la mer, les fosses, les mitrailles, je blâme. Est-ce ma faute enfin? J'ai des entrailles. Éternel Dieu, c'est donc au mal que nous allons. Ah, pourquoi déchaîner de si durs aquilons sur tant d'aveuglement et sur tant d'indigence, je frémis. Et c'est Victor Hugo, à
ceux qu'on accable. Oui.